Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous un manuel très intéressant que j'utilise pour les petits-enfants qui veulent apprendre la langue française. Donc on a ici toutes les matières. On a l'anglais, sciences, géographie, histoire, maths et français. Donc comme vous voyez ici, dans la première page, il nous montre, là, il nous donne, c'est-à-dire un résumé sur les 26 lettres dans l'alphabet. Donc, comme vous voyez ici, ces lettres ont plusieurs familles d'écriture. Donc, comme vous voyez, les premières lettres ici sont en capitale. Ça, on l'a déjà vu. Voilà. C'est juste pour bien retenir les lettres qui sont en capitale. Ou bien, on dit bâton. Ici, on a les lettres script et après on a les lettres cursives. Là, il nous donne toute la liste en cursive. Alors ici, on passe, il nous explique comment on fait. Pour apprendre à lire et à écrire, il faut connaître le nom de toutes les lettres, mais aussi le bruit qu'ils font. Par exemple, ici, on a, il a dit, je m'appelle B. Donc, je fais B. Je fais B. Ici, c'est F. Je m'appelle F. Je fais F. Ici, il nous a donné un autre exemple, le R. Je fais R. Alors là, on a le P. Je m'appelle P. Je fais P. Alors ici, il nous donne un petit exercice pour s'entraîner. Entraîne-toi. Là, vous allez colorier les lettres de l'alphabet. Il faut les colorier. Après, il faut écrire votre prénom en lettres capitales sur la ligne. Donc, capital, qu'est-ce qu'on a dit? Capital, je vais vous montrer encore les lettres qui sont en capital. Alors, ça, c'est les lettres en capital. Ou bâton. On dit capital ou bâton. Alors ici, dans l'exercice, il nous demande d'écrire notre nom ou bien votre nom en lettres capitales sur la ligne. Après, la troisième question, écris ton prénom en lettres cursives comme sur un cahier. Alors, en cursive, voilà un exemple, les lettres en cursive. Et là, qu'est-ce qu'il nous donne? Entoure les lettres de ton prénom dans les trois familles d'écriture. Alors là, il faut chercher les lettres de ton prénom et tu les entoures. Voilà les enfants, comme je vous ai dit, je partage avec vous ce petit manuel qui va vous aider à bien et à bien lire le français, à bien écrire, comment on dit, l'alphabet, et bien sûr aussi au niveau des chiffres, vous avez le maths, vous avez sciences. Donc chaque jour, je vais partager avec vous quelques vidéos qui vont vous aider à améliorer votre niveau en français. Alors là, ça c'est pour les enfants du CP. C'est écrit ici, tous les matières CP. Ça, c'est pour les enfants des CP. Et même pour les enfants de la grande section, ils peuvent voir la vidéo et ils peuvent voir aussi, comment dirais-je, la vidéo que j'ai lancée ici et les exercices que je vais vous envoyer sur mon groupe en Facebook. Voilà les enfants. Demain, on va voir un nouveau manuel aussi, méthode de lecture dès 5 ans. Demain, je vais vous montrer aussi d'autres exemples relative au manuel. Voilà les enfants, je vous remercie et je vous dis à demain. Je vous souhaite une excellente journée et je vous fais un gros gros bisou. Au revoir.